Le nouveau ministre de la Communication, Guy Meksan Mamiaka, a effectué sa première visite à Radio Gabon et Gabon à Télévision. C'était juste pour une prise de contact avec le personnel. C'est un reportage de Claude Boussougou Matoumba et de Thierry Eka. Il était important pour moi non seulement de mettre des visages au nom de mes différents collaborateurs, mais pouvoir disposer le plus rapidement possible de toutes les informations utiles et nécessaires en vue de nous permettre d'accomplir au mieux les missions qui sont les nôtres. Nommé fraîche ministère de la Communication, Guy Meksan a effectué sa première visite depuis son arrivée à la tête de ce département. Dans un premier temps, le ministre a pu assister à la présentation succincte de Radio Gabon et Gabon Télévision via vidéoprojecteur. Les deux directeurs généraux en ont profité pour partager leur vision 2019. On a beaucoup de priorités, mais il faut véritablement les présenter. Parce que souvent, on se dit qu'on a des difficultés, on n'a pas de caméra, on n'a pas de micro. C'est bien de les présenter de cette façon, mais il faut dire quelles sont les priorités. Et c'est sur la base de ça que le ministre va pouvoir prendre des dispositions pour travailler ensemble avec nous. Très belle séance de travail avec des instructions bien précises, des directives qui vont dans le sens que nous souhaitons, nous, à Radio Gabon, pour que cette radio puisse se moderniser de plus en plus. Ensuite, s'en est suivie la visite des locaux du complexe Georges Raouiri. Le nouveau patron de la communication a également constaté les dégâts orchestrés par un groupuscule de militaires le 7 janvier dernier. Ça a été très compatissant par rapport aux événements qui se sont déroulés chez nous. Il a traduit sa compassion au personnel, mais tout bout. Les travaux en cours des studios de la radio, la remise en fonction du car régie mobile en passant par la visite des plateaux télé, tout ou presque, a été inspecté. On a fait le tour des entités techniques, à la radio comme à la télé. C'est un petit peu de part et d'autre le fonctionnement. Nous ne connaissons pas l'homme, mais je pense qu'aujourd'hui, on le connaît mieux par rapport à ses visées. Les mêmes problèmes relatifs au manque ou à des équipements se posent toujours avec acuité. Le manque d'équipement appelle déjà les conditions d'utilisation des équipements. Je suis passé dans le GIC, que les techniques utilisées de stockage de micros, de câbles, les techniques régulières. Je ne suis pas non plus certain qu'il y ait une véritable comptabilité qui soit tenue année après année par rapport aux différents matériels. Si cette première visite s'est bien déroulée, il reste qu'il en faudra beaucoup à Guy Meksan Mamiaka pour donner de l'aide à la politique gouvernementale dans le domaine de la communication afin de redonner confiance aux agents de la maison Georges Raouiri et booster leur...